Jacques a écrit le livre sur Jean Bousquet. Ah, très bien, sur Jean Bousquet. Ouais. Enfin, sur Jean Bousquet, c'est bien fait. Mais c'est Jacques qui fait l'écriture. Parce que j'avais fait une expo. Je sais. Les Rennes, et ça, c'est le cofondateur, celui qu'on voit là-bas. Comme voilà. ça serait sympa que tu leur montres aussi un petit peu les vitrines avant que... Paris pour nous parler de son livre La Nuit Folle et de nous lire quelques extraits. Ça sera interrompu, éventuellement de questions, d'échanges, ce ne sera pas une lecture continue. Et je laisse la place à Benoît Viguier de l'Échappée Belle, puisqu'on est en partenariat avec la librairie L'Échappée Belle. Merci à vous. Vous avez été professeur pendant une dizaine d'années, et puis vous avez arrêté pour vous consacrer à la littérature, les lettres françaises, bien évidemment Art Press depuis 1972. Vous habitez à Paris, mais vous venez, c'est un des sujets, un des très beaux sujets du livre, vous venez régulièrement à la Franquie, au Barcarès, à Saxe-le-Château. Vous avez écrit une dizaine de romans, dont Walkman en 88, La Balance des Blancs en 2011, Box en 2016, qui a eu le prix Médicis Essai et le prix de l'Académie française. Une quinzaine d'essais, je ne vais pas tous les citer, tout le monde connaît La Peinture et le Mal, vos essais sur Pierre Klosowski, pardon, Louis-Ferdinand Céline, Le Roman et le Sacré et La Légende de Catherine M. en 2001. Le futur grand poète n'était alors qu'un jeune fêtard, mal dans sa peau, à qui la vie de province pesait. Tenté par le suicide, consommateur de drogue, éther, cocaïne, morphine, il décide pour en finir plus héroïquement, avec sa vie d'épave, de mots et de lieux, de s'engager le 10 janvier 1916 dans l'infanterie. Il choisit le régiment du 156e corps d'attaque, composé de droit commun et d'un joli panel de têtes brûlées. Son capitaine, un jésuite, le père Louis Houdard, est lui aussi une tête brûlée, en partie par le feu du Saint-Esprit. La précipitation de l'instant, interrompre la mauvaise continuité de l'histoire, selon le vœu de Walter Benjamin, en finir avec un présent qui ne porterait pas en lui sa propre disparition, pour un jeune homme qui cherche à interrompre la mauvaise continuité de sa propre histoire, c'est opter pour l'enfer. Il lui faut une rencontre décisive, un événement foudroyant. Une femme, pas une de visible dans l'horizon qui est le sien. Un horizon de paysages ravagés, d'arbres déchiquetés, de terres retournées. Il en est une, mais très loin de lui en cette soirée du 27 mai. Marthe, rencontrée au cours d'une permission un jour de juillet 1917 dans un théâtre de Béziers. Convalescent, il finissait de soigner une blessure reçue en Lorraine en l'aimable et réconfortante compagnie de prostituées qui le fournissaient en cocaïne. Face à l'ennemi, il se souvient de quel mystère les yeux de Marthe étaient chargés. Elle l'aime, il l'aime, jusqu'à ne plus avoir su l'aimer, tout en l'aimant follement. Allongée sur son lit de douleur, la retrouvant plus tard, il lui confiera qu'elle avait été l'âme de sa jeunesse. Le 24 mai 1918, 3 jours avant la bataille, le long de la Verne, il reçoit d'elle une lettre où elle lui annonce que dans 3 jours, elle ne sera plus de ce monde. Désespoir du jeune lieutenant amoureux. Pas de femme, alors une balle. Déjà à Verdun, il était allé au-devant. Cette fois, ce sera la bonne. La balle sera au rendez-vous. Sait-on qu'il n'est pas de désir plus grand que celui du blessé pour une autre blessure. 10 ans plus tard, bataille, le soldat Bousquet se rappellera avoir une intuition qu'un homme qui se veut perdu
se situe seul devant l'univers dans lequel il voit un ensemble achevé. S'il avait été croyant, comme son jésuite capitaine, c'est devant Dieu qu'il se serait trouvé. Touché par la balle, il sent son corps devenir mou, comme un mouchoir. Et c'est à ses bottes qu'il pense. Il les regarde, ne les reconnaît pas, croit les voir pour la première fois. Elles lui paraissent bourrées de coton et gonflées de vent. Comme il le raconte, il l'écrira plusieurs fois. Il comprend qu'il ne marchera plus. Le réputé baiseur qu'il était, se doute-t-il que son sexe lui aussi, comme ses bottes, n'est plus que bourré de coton et gonflé de vent. Avant d'être blessé, il avait vu ses camarades tomber autour de lui. Il avait d'abord obéi aux ordres de son supérieur, le membre de la compagnie de Jésus, Louis Houdard, qui lui avait enjoint, quand sa section montrait au combat, de ne pas s'arrêter pour leur porter secours, lui faisant entendre que même quelques mots à un mourant décomposaient la volonté et qu'à l'homme qui ne craint que la mort, il ne fallait pas imposer la vision d'une agonie. Comprenant que sa compagnie est cernée, que pour elle c'est la fin, Jean Bousquet, contrevenant aux nouveaux ordres du père Houdard, se dresse, se hausse un peu plus haut sur ses grandes bottes rouges, assurant à ses pieds une ferme assise. Il a du torero agitant sa muleta pour défier la bête, l'obliger à charger. La bête ne se fait pas prier. Par qui la balle, frappant le futur grand poète, a-t-elle été tirée? Le lieutenant Joël Bousquet se souviendra qu'au moment où quatre fantassins l'emportaient, lui le poète en herbe, à la colonne brisée, du camp ennemi s'avançait un jeune fringant lieutenant allemand. Il apprendra bien plus tard qu'il s'agissait d'un futur grand peintre. Est-ce lui, ce futur grand artiste, déjà sensible aux couleurs, qui s'est senti nargué, agressé par un rouge violent, ou l'état au gros pif de clown qui commanda le tir? Est-ce lui qui tira la balle fatale? Alors qu'il était allongé sur le sol, à demi conscient, dans la transparence d'un ciel violet, sous la buée qui couvre ses yeux, ce n'est pas le visage de Marthe qui lui apparaît. Ce qu'il devine, tout par Lucien, c'est un autre visage. Un visage familier. Pas d'une femme, mais d'un homme. Le visage de son capitaine, le père Houdard, le jésuite, réputé le meilleur nettoyeur de tranchées. Un homme de foi, de charité, de fidélité, de courage, un homme atteint de la faiblesse d'aimer et un tueur terrible. L'homme que son premier officier, le futur grand poète, entré en agonie, aura le plus aimé au monde. Il le revoit, arpentant les tranchées du chemin des dames, chapelet au poignet, le pistolet à la main. Il se rappelle la scène où, au cours d'un combat de nuit, cet homme qui n'était pas physiquement costaud l'a sauvé en poignardant le Feldwebel qui allait l'assommer. À son chevet, le père Houdard est en pleurs. Il approche un peu plus son visage du mourant, qui vient de lui confier dans un souffle la peine qu'il éprouve à devoir le quitter pour toujours. Sans esquisser le moindre geste rituel que la situation exige, et que le futur grand poète, se vidant de son sang, a vu pratiquer sur les mourants et les morts, le prêtre lui demande à voix basse, bien que le sachant non-croyant, de prier pour lui une fois arrivé à destination auprès du Très-Haut. Et voilà le père Houdard qui lui saisit le visage
à deux mains et l'embrasse sur la bouche. Étrange bénédiction, pourtant pas un homme autre, le capitaine Oudard. Simplement en jésuite qu'il est. Il avait appris que le baiser sur la bouche symbolisait un don de vie ayant le pouvoir de faire durer l'agonie jusqu'à l'illumination de l'âme. Oui, si je peux ajouter une petite illustration à ce que tu dis, puisqu'on est sur Jean Bousquet, il y a 10 ans de ça, enfin 11 ans, j'ai fait une exposition dans la maison de Jean Bousquet à Carcassonne sur le surréalisme, et ça s'appelait De bel homme à Belluc, voilà, avec une photographe, enfin je ne sais pas si tu connais. Et puis je me souviens, là j'ai travaillé pendant 3 semaines dans sa maison, et il y avait sa chambre qui était sous vitre. Voilà, et moi qui adore les fantômes, j'aurais pas passé la nuit dans cette chambre. Voilà. Ah oui, mais et puis alors on m'avait dit qu'il y avait aussi dans son héritage énormément de tableaux qui étaient accrochés dans sa chambre, Chagall et compagnie. Oui, parce qu'il était ami avec énormément de peintres et d'artistes, mais c'est la mairie après qui s'est servie à son décès. C'est une catastrophe, ils auraient pu faire un musée avec les œuvres de Bousquet, avec voilà. Une personne formidable. Voilà. Donc, le musée international des arts modestes a été créé en 2000 par la rencontre de deux fondateurs qui en fait sont là, Bernard Belluc et Hervé Di Rosa. Et le Musée international des arts modestes, pourquoi ? C'était un petit peu pour nommer ce qui était oublié, marginal, occulté, méprisé, tout ce qui était aux périphéries de l'art. Et c'est aussi un... Donc Hervé Di Rosa, c'est presque une œuvre conceptuelle de lui, puisque en fait, il a eu cette pensée d'aligner tous les territoires de l'art et de les mettre à la même valeur, alors qu'en 2000, on était plutôt dans une époque où l'art minimal, l'art conceptuel, etc. Était plus mis en valeur que d'autres domaines de l'art, comme je vais citer l'art brut, puisqu'on est en fait un cousin aussi de l'art brut, qui était tout à fait occulté dans les champs de l'art. Donc en fait, le rôle du Musée international l'objectif du Musée international des arts modestes, c'est d'identifier toujours des nouveaux territoires de l'art, de chercher des nouveaux territoires de l'art, et de les mettre à plat, de dire qu'ils ont à peu près les mêmes valeurs, et créer des ponts, des transversalités, et d'emprunter un petit peu les contre-allées. Voilà. Alors là, on a la photo des deux fondateurs. Ça, je vais t'expliquer après. Là, on a un petit peu la photo des deux fondateurs, donc Hervé Di Rosa à gauche et Bernard Belluc à droite. Donc c'était il y a en 1989. Donc ça fait une trentaine d'années. Et c'est vraiment leur rencontre qui a donné lieu au musée. C'est vraiment cette rencontre, cette alchimie de leurs deux œuvres artistiques qui ont fait que ça a donné naissance au musée. Donc là, on a donc toute cette partie-là, en fait, c'est jusqu'au Chêne, jusqu'à Psychédélis. C'est une exposition pour célébrer les 20 ans du Miam. Et on a essayé de faire une exposition qui n'est pas une rétrospective, mais qui explique bien le concept des arts modestes. Alors là, on a un meuble qui a été créé par Hervé Di Rosa. Et c'est un meuble d'assises, en fait. Nous, on l'appelle le surmiam, parce que c'est un grand meuble. Donc c'est miam, et donc c'est on a beaucoup de réserves avec des collections. Et on a sorti extrait des collections certains objets pour les mettre dans les vitrines. C'est la première fois parce qu'avant en fait c'était uniquement des expositions temporaires où ce dispositif-là n'existait pas.
monte en haut. Ah oui, et on va monter là-haut. On va dépasser l'exposition Psychédélis. Mm-hmm. Et on reviendra après pour en parler. Allez, on fait comme ça. Ouais. Allez, parfait. Depuis l'âge de 23-24 ans, je ramasse des petits cartons, des petits papiers, petits plastiques, c'est-à-dire l'éphémère. Et l'éphémère, pour moi, c'est le trésor, parce que c'est ce qui est rare. Alors, j'étais allé à la mairie de Palavas, les flots bleus, parce qu'il y avait un château d'eau merveilleux qui faisait 48 mètres d'hauteur sur 200 mètres de vase. Alors j'avais dit au maire que ça serait bien de faire à l'intérieur le musée de l'éphémère. Bon, et puis j'ai rencontré Hervé Di Rosa par des amis qu'on avait en commun. Et ils m'ont dit, mais le Di Rosa serait très intéressé par ton histoire et tout. Donc on est en quelle année là, Bernard? Alors on était en 90. Et en septembre, on convient d'une date, et à l'heure précise, il est 8 heures du soir, je vois Di Rosa devant ma porte. Il avait une bouteille de champ, des petites moustaches à la Zorro à l'époque, et il me dit « Oh Bernardo !» Je m'appelle Bernard. « Oh Bernardo, art modeste ! » !»« Waouh, super !» Il avait le titre de la chanson, et après j'ai lu qu'il en avait beaucoup plus dans la tête. Et puis là, ça s'est fait à l'espace d'une heure. Voilà. D'un revers de bras, il a déblayé les couverts. On n'a pas mangé de dessert, d'ailleurs. Il a sorti les papiers, les crayons, tout. Et a dit à Arlette, qui était ma femme, elle est décédée. Il a dit, « Bon, toi, Arlette, tu seras la trésorière. » Toi, Bernard, tu seras le secrétaire, et moi, enfin, Di Rosa, je serai le président. Parfait. Top. Et ça c'est. Et on était en septembre 90, et il a dit une phrase prophétique en disant, ça sera difficile, mais on y arrivera, il nous faudra 10 ans. Et exactement 10 ans, on était alors là en septembre 90, et en novembre 2000, le Miam a ouvert. Ça a été prophétique. Hein. Et à partir de là... C'était ici, l'ouverture, déjà. Ouais, ouais. En fait, si tu veux, ça, c'est le bâtiment d'origine. Ah, oui, d'accord. C'est un chai, tu vois, on voit bien la forme du chai. Oui, oui, oui. Et en fait... Ah, vous voyez, histoire, géo. Voilà. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est la géo. Voilà. Alors après, on commence en suivant les flèches, vous voyez, les flèches d'archer, et le fil rouge. Il faut suivre les flèches et le fil rouge, vous voyez, voilà, voilà. Ça vous donne, après, la hallebarde, voilà, et après, les flèches aztèques, vous voyez, voilà, et l'ampe révolutionnaire de la pique. Voilà, la Révolution, l'ampe Troisième République, le chemin des dames qui aboutit à Verdun. Vous voyez, ça c'est la lecture de l'installation. Moi, on m'aurait donné tous les tâches pour faire l'histoire, ça ne m'aurait pas suffi. Oui, parce que tout ça, je me suis inspiré beaucoup sur le cinéma, la chanson, parce que pour moi, c'est des vecteurs populaires, hein. Et dont les gens peuvent s'y retrouver assez facilement. La chanson, c'est très important, la chanson. C'est un vecteur magnifique. Autant, parce que la poésie, maintenant, les gens ne disent plus de la poésie, c'est terminé, ou très peu. Donc la poésie est revenue dans la chanson, depuis pas mal de décennies. Donc elle est revenue à ses origines avec les ménestrels, parce que la poésie, elle a commencé par être chantée de château en château, mais les visiteurs du soir, le film. Bon, enfin, bref. Voilà, voilà. Donc, alors, bon, mais écoutez, parce que là, c'est assez touffu. Ah bon? Ah, tu trouves que c'est touffu? Oui. Alors, c'est assez touffu, mais il y a un ordre dans tout ça.
Voilà. Alors, on continue. Ah, parce vous voulez que... continuer ben, quand même un petit peu. Ah, mais moi, ouais. Ça fait plaisir. Allez-y. Ah, oui, non, mais là, vas-y, Bernard, un peu retour. On a oui, encore, mais on a moi, encore un peu de temps. Je sais pas, moi. Si, si, allez-y. Ça, ça va durer combien, là, votre. J'en sais rien, mais il faut enquiller. Allez-y. Bon, parce qu'il fait qu'il faut me barrer la place aussi pour Jacques. On continue. Allez-y, alors. Allez. Alors, ça, vous voyez, alors là, c'est. Ça, c'est les grandes invasions. Le drakkar, ça a été fait par un enfant. Vous voyez, il est magnifique, avec un petit cheval du jeu des petits chevaux en proue du navire. Voilà, parce que je respecte les objets. C'est que les objets 50-60, parce que j'ai voulu garder une unité, parce que chaque époque a leur couleur vibratoire. Ça, j'y crois, ça. C'est-à-dire, dans les années 50-60, c'était le rouge, le jaune d'or, vous voyez, des couleurs, le bleu aussi, Ricard, c'est-à-dire rouge, blanc, rouge, jaune et bleu, les couleurs primaires, voilà. Tandis qu'après, dans les années 60, c'est les couleurs électriques, les couleurs fluo, associées au noir et blanc. Vous voyez, quand vous voyez la première couverture, la première pochette du disque des chaussettes noires, et bien la pochette est en noir et blanc, et dessus, il y a les titres en fluo, en orange, en rose, en vert électrique, voilà. Et le noir et blanc, c'est propre au cinéma de la Nouvelle Vague. Ouais. Parce qu'avant ça, il y a eu le Technicolor, mais après, les gens s'en sont un peu lassés, et ils sont revenus à l'origine du cinéma, dans les Truffaut et tout ça. Enfin, bref, moi, je suis un passionné de cinéma, comme la chanson, c'est pareil. La chansonnette, pa-para-pa-para-pa-para-para, la chansonnette. Bon, alors si vous voulez, on peut aller ailleurs, parce que là... Ouais, malheureusement, on fait un peu... On essaie de faire un condensé de chaque vitrine. Vous voyez, mais ça c'est les vacances, ouais. Vous voyez. Ça c'est les vacances, alors ça c'est le bonheur. Que reste-t-il de tous ces jours? Que reste-t-il des rendez-vous? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets d'août, des mois d'avril? Ah, mais ça, je l'ai dit déjà. Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Baiser volés, cheveux au vent, palabala, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi, papala, papa. Un petit village si bien caché, un paysage et un clocher, et dans un nuage, le doux visage de mon passé. Que reste-t-il ?